Le Mans FC monte en National 2. La joie est immense, elle est à la hauteur de l'étape qui vient d'être franchie. Pour leur dernier match de la saison, les Manceaux n'ont fait qu'une bouchée de la réserve du Tour FC et ont offert aux 3600 spectateurs du MM Arena un festival de buts. 9 au total pour les Sartois, dont 5 pour le buteur Manceau Vincent Créen. Large victoire Mancelle, 9 buts à 2, mais il faut attendre les autres résultats du championnat pour savoir si Le Mans FC va jouer la saison prochaine au niveau supérieur. C'est bon alors. Saint-Étienne là, au bout de 10 minutes d'attente, Thibaut Ferrand vient libérer ses partenaires. La montée est acquise puisque Le Mans figure bien parmi les 4 meilleurs deuxièmes des 8 groupes de CFA2. Il fallait absolument sortir de cette division laquelle il n'est pas évident de sortir. Et c'est beaucoup de plaisir et puis une validation du travail effectué depuis le début de la saison. Il ne suffisait pas d'appuyer sur le bouton du pilotage automatique pour être guidé vers ce National 2. Il a fallu faire des efforts au quotidien et je suis très fier de ce que les joueurs ont montré tout au long de cette saison. Là, on vit des moments exceptionnels. Là, on est arrivé au début du projet et franchement, j'espère que... On va monter successivement et j'espère qu'on va essayer de garder le maximum de l'effectif parce qu'il y a vraiment un bon groupe et on n'est qu'au début du projet. Donc j'espère que ça va continuer. 3 ans après avoir intégré la 5e division nationale, Le Mans FC accède à la 4e et écrit une nouvelle page de son histoire.